Que c'est un roman géographique qui est d'abord né d'un espace qui est celui d'une rade, bon qui s'identifie à la rade de Brest, mais peut-être ça pourrait être ailleurs. En tout cas, un paysage. Et le livre s'est constitué à partir de, a fait naître en fait un personnage plutôt floué qui allait devenir le narrateur, euh, qui sortait un peu de ce paysage mélancolique au fond, et de l'autre ce type qui débarque, qui pour le dire vite a un projet un peu pharaonique, un peu absurde aussi, qui consiste à à proposer la, la construction d'une station balnéaire dans la rade de Brest. Voilà, et il va euh, confronter cette force un peu rhétorique au fond euh, à, euh, à la langueur des, des habitants, dont le narrateur, qui euh, se retrouve à être euh, précisément escroqué dans cette affaire de station balnéaire, et qui, on l'apprend dès le début du livre, euh, va se venger de cette escroquerie et ensuite se retrouver devant un juge. Et c'est au fond le livre raconte ça, c'est-à-dire comment un brave type euh, ouvrier de l'arsenal de Brest se retrouve euh, en arrive à euh, à tuer quelqu'un. Encore une fois, je ne crois pas à dire grand-chose. On apprend ça dès le début.